Salut monsieur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on veut réaliser une poche dans une pièce magique à l'aide d'une machine à commande numérique. Mais nous, on va le réaliser dans le programme de simulation d'usinage Sansoft CNC, qui utilise la méthode Fanuc à l'aide d'une machine 0MT. D'abord, on va régler la machine. Première étape, on veut régler la machine à la position d'initialisation qui a x égale à 0, égale à 0. Pour cette étape, on va cliquer sur le mode Home. On va cliquer sur les y, z et x. Et on va faire comme donner comme valeur x 0, y 0, z 0. Deuxième étape, on va cliquer sur Stock Size pour entrer les dimensions de la pièce prismatique qui est comme largeur 60 et comme longueur 60. Et aussi, on va sélectionner l'origine programme, je sais qu'on sait comme on l'a dans l'exercice. Après, on va aller pour l'HFinder. On va se cliquer sur Sélection Expander et choisir l'Optical Edge Finder pour tangenter la place et entrer les décalages entre la pièce et l'origine machine. On va sélectionner le mode opération Jog et on va approcher suivant l'axe X et même pour les autres axes. Pour tangenter l'Edge Finder à la pièce, on va se déplacer en X et on va déplacer suivant l'axe Y et on s'approche. On veut que l'Edge Finder soit au-dessus de la pièce. On va le déplacer suivant Z et on l'approche. On veut diminuer la vitesse pour prendre une bonne précision de l'approche. On se déplace devant Z jusqu'à l'Edge Finder s'allume en rouge. On se déplace devant Y. On va le déplacer devant Z. On retourne un peu. Et on note le décalage de Z égale à moins 50,469. Et ensuite, on veut de prendre le décalage suivant l'axe X. On déplace la table suivant l'axe X. Et on l'approche. On a entré beaucoup dans la pièce. On retourne. En tangent, on a comme valeur de x. On note la valeur de x. En switch, on va tangenter suivant l'axe y. On s'approche sur la surface de y. On se déplace devant Z et on entre beaucoup dans la pièce. On retourne devant l'axe Y. On se déplace avec une vitesse très petite. Le finder s'allume et on va noter la valeur de Y. On va le prendre à la vue X, ZX. On va démonter l'Edge Finder et on va déplacer Z. On clique sur Unload Edge Finder. Le Edge Finder a démonté. On va aller sur Money Offset pour entrer et cliquer sur Work pour entrer le décalage qu'on a dans JC. Mais si on va travailler comme on va travailler, on a
On a eu des problèmes sur l'exécution de problèmes qu'on avait entre l'origine locale. Donc, on va prendre G55 comme origine pièce et on va le faire dans le milieu de la pièce. On va ajouter la valeur qu'on a notée, on va l'ajouter 35 pour le x et y et on va ajouter la compensation de rayon pour les trends qui est comme rayon sec. On a déjà fait entrer le décalage pour minimiser le temps. D'abord, ensuite, on va aller sur Management Tools pour entrer les outils. On va entrer la première outil, on va l'éditer, on va entrer le diamètre 20 et on va laisser longueur 120. On clique sur OK et on va l'ajouter sur tout le magasin. On va ajouter le deuxième outil qui est comme diamètre 16 et même longueur. Et on va l'ajouter au magasin. D'abord, l'étape suivante, on veut entrer les décalages de premier outil, deuxième outil. On a le décalage entre l'edge finder qui est comme longueur 160 et l'outil A qui est comme longueur 120, le décalage est 40 et même pour le deuxième outil. Et aussi on va entrer la correction de rayon qui a 10 pour l'outil 1 et 8 pour l'outil 2 parce qu'on a le diamètre de l'outil 1 20 et le diamètre de l'outil 2 16. L'étape suivante, c'est entrer le programme. On clique sur Edit et on va aller sur Programme. On a mis déjà entrer les programmes pour minimiser le temps. On a entré le programme qu'on a dans l'exercice. On a le premier programme principal qui a comme nom 1001. C'est ça, monsieur, le programme. On l'a déjà entré. Et on a tout ce programme 1003 et 1004, on a entré. Le premier programme, il va réaliser la poche et le deuxième programme, il va faire la finition. Mais si on va entrer pour faire l'exécution du programme et la simulation des images, on va entrer le programme principal. Non, on entre le 1004, non, on veut entrer le 1001 pour exécuter le programme. On clique sur Auto et on va on a la vitesse Launch et on va cliquer sur Auto Cycle et le programme. Et le programme s'exécute bien. On zoom pour voir l'opération. Le programme s'exécute bien. Et c'est ça, monsieur le programme. Au revoir.